Hey, salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo encore et toujours sur du Destiny. Je suis absolument fan de ce jeu et j'ai une info à vous partager sur le prochain patch qui sort dans une semaine, le patch 1.0.2. Donc ce patch, il va parler de Maître Raoul, ce fameux cryptarque à qui on a bien envie de faire des sales tacles, de mettre des baves, de le faire manger son bouquin, tant il nous a arnaqué. Donc vous avez tous connu le fait d'avoir des objets bleus dans des engrammes violets ou des objets verts dans des engrammes bleus. Il est assez spécialiste de ce genre d'arnaque. Eh bien, sachez que ce conflit va pouvoir être entériné puisque Bungie a décidé de sortir un patch relatif aux engrammes. Donc ce patch est une réponse à une plainte des fans de Destiny qui disaient que la grotte qui a été patchée était une solution alternative au manque de chance du Cryptarque. Et tout simplement, les joueurs n'étaient pas contents de voir cette grotte patchée. Après, il faut savoir que moi, je ne fais pas partie de ceux qui étaient déçus puisque je n'étais pas une pratiquante de la grotte. Après, je sais que je fais partie de celles qui ont contribuer à transmettre cette information et je respecte les joueurs de la grotte, je n'ai aucun problème avec vous, c'est juste que je préférais monter mon personnage entre guillemets de façon légite. Donc ce patch de Destiny tout simplement va vous permettre d'avoir à coup sûr à partir de la semaine prochaine des objets bleus dans les engrammes bleus et là c'est la bonne surprise, des objets violets dans des engrammes violets et oui ça sera systématique, donc c'est fini ce petit jeu de hasard avec les engrammes, donc ça c'est vraiment cool. Par contre le petit bémol c'est que pour éviter les abus et les gens qui auraient l'idée de stocker des engrammes violets avant la sortie du patch, tout ce que vous avez de violets actuellement stockés dans vos coffres, par exemple les armures que vous souhaitez démanteler ou alors les colis que vous avez chez le caddie au commis des postes, seraient susceptibles d'être décryptés en bleu à partir de la sortie du patch. Donc ça n'aura aucune influence sur les objets violets que vous trouverez après le patch, mais c'est simplement pour éviter les abus et le stockage massif. Voilà, c'était la petite info du jour. Sachez qu'il y a une autre astuce, mais là c'est vraiment une rumeur, c'est pas du tout une certitude. Apparemment, concernant les assauts du jour, de la semaine et les assauts épiques, nuit noire, etc., les récompenses seraient elles aussi améliorées. Mais là, c'est vraiment pas une certitude. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'infos à ce sujet. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur du Destiny. Ciao, ciao!